Yo les gens, c'est Dark Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gold War en zombie. Aujourd'hui, on continue un peu en zombie. Donc cette semaine, comme vous l'avez remarqué, c'est surtout du zombie, tout ce qui sera porté sur Halloween. Donc cette semaine, comme vous l'avez vu, on a commencé par du Dying by Daylight. Nous avons eu du Fortnite, bien correct. Nous avons réussi notre combat. Et aujourd'hui, on se retrouve en zombie, donc mercredi en zombie. Jeudi, bon, bah, ça sera de la voiture, donc on retournera sur The Crew. Je pense que ça sera la dernière fois, parce que je pense que je vais bientôt être niveau 1000. Alors après, s'il y en a qui me disent, oh bah continue un peu de Fortnite, de The Crew, je continuerai, mais pas tous les jeudis. Parce que, bon, bah voilà. Et pour vendredi, on retournera sur Dying by Daylight, mais on fera pas du survie, on fera pas des survivants, on jouera le tueur, parce que, bah voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu, faut varier, et la dernière fois, j'ai pu jouer le tueur, heureusement. Parce que c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir le jouer le lundi. Donc voilà. Donc on va jouer en solo. Et nous allons en map oubliée en solo pour la nouvelle map. La nouvelle map. Pour ceux qui connaissent un peu et qui ont fait le mode histoire, la map oubliée est dedans. Quand vous faites l'histoire, elle est dedans. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors s'il y a quelques petits lags, je m'en excuse. Ou sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis j'espère qu'il y aura du son. Parce que j'ai remarqué que quand je mutais mon PC, parce que quand je coupe le son du PC, vous n'avez pas le son du jeu. Et que si je le laisse, même si je le baisse un tout petit peu, vous avez le son du jeu. Alors pourquoi, je sais pas, mais voilà. Donc, petite map. Donc, il y a le secret, je ne l'ai jamais encore fait. J'y suis allé une fois encore. Les débuts sont assez sympas. Les manches passent assez rapidement jusqu'à la manche 5, je crois. Et après, c'est plutôt tranquille. Donc après faut trouver les trucs pour le secret. Mais je vais pas faire le secret avec vous parce que ça servirait à rien. Alors je vais jouer fusil d'assaut, Fluxtroy. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vais jouer le Fluxtroy. Ça va me changer un peu. Par contre je sais pas ce que j'ai comme... J'ai pas regardé ce que j'avais quand même. Je vais peut-être vous baisser un peu. Donc. Ok, c'est l'explosion. C'est ce que j'utilise souvent. Allez, c'est parti. Bon, ça va assez vite les premières manches. Ça va assez vite. Là, normalement, si j'active la citrouille... Ah bon, d'accord, ok. Alors, c'est une chance sur deux, j'ai l'impression que... Parce que, alors, normalement, les citrouilles, si vous utilisez les citrouilles... Ah. Oula, oula. Ah putain, ah, c'est vrai que ça enchaîne tout de suite. Ah
Ah putain, faut la finir. Je croyais qu'on pouvait la réutiliser plus tard, mais non. Allez, zou. Là, j'ai l'impression... Alors, la première zone, j'ai l'impression que c'est d'affilée, en fait. Ils sont tout le temps en train de squat. Hop, on prend le cocktail Molotov. Ok. Bon, on enchaîne, hein. Les premières maps sont assez fastoches, je trouve. Elle fait pas mal de dégâts, celle-là. Fasse gaffe derrière moi. Putain, on peut par là. Il doit me rester un zombie, donc. Téléporteur. Je suis allé où là? Pas du bon côté. Il est où là? Le truc. Je crois qu'il y a un truc là, non? Pas assez de points. Ça piège suspendu, ok. Bon, il faut récupérer des pièces pour passer le portail qui est là-bas, sinon vous pouvez pas y aller. C'est quoi ça, c'est 3. Le truc c'est qu'avec avec les citrouilles en fait ils sont plutôt bien renforcés. Hein. Boum. Ça nettoie. Et sandwich pour celui qui a une petite faim. Ouais,
bouge de là, toi. Roger, eh hey, oh. Couché. Je suis fou par terre, toi. Je vois bien qu'il m'en manque un. Il m'en manque même quatre, trop deux. Donc là je peux pas construire. D'accord, c'était même... je me suis complètement trompé. Bah, c'est pourtant, il y en avait un là. Ah, il était là. Je l'avais pas vu. Oh! Ok, c'est de la merde. C'est de la grosse daube. C'est une grosse daube. Ok. Ça. Troisième arme. Ah là. Oh, si j'en ai envie. J'aurais pas dû changer mon pompe comme un gros con que je suis. Attendez, parce que 100 balles, c'est pas cool. J'ai mis toutes mes balles à côté. Toc. Alors là, normalement, ouais, c'est fermé pour le moment, mais faut que ça s'ouvre après. Ah oui, c'est là qu'il y a le gros. C'est là qu'il y a le gros.
Ah bah voilà, ça c'est mon arme. Ah merde. Il est où? Mince, 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 mince. Pas allé au bon endroit là. Wow. Fait mal l'autre avec son électricité statique là. Mal. Saleté de bouche. Bien crevé, ouais. Ah, bah dis donc. Bon, alors. C'est quoi ça? Ah oui. Ok, je suis où? Ah, mais je suis dans la première zone en fait. Une balle, plusieurs cadavres, ça m'étonnerait. Par contre, la zone d'extraction, elle est où là? Parce qu'elle est dans le réacteur, mais c'est quoi ça? Ok. Sert ce petit à quoi sert ce petit cocktail? Elle, pardon, juste fait peur. Ah d'accord, je les vois à travers. Normalement, la zone
Ouais, c'est pas mal ça, ce petit machin là. On voit à travers le mur là. Pour le moment, il n'y a pas le géant, ça me va. Alors par contre, je voudrais bien trouver les autres composants. Parce que c'est vrai que je les ai jamais trouvés. Bon, faut dire que j'y joue pas souvent à cette map-là, mais normalement ils sont en surbrillance, mais je les ai jamais vus. Hop. Là, c'est là où il y a la caisse. Recharge rapide, ça c'est cool. Des bons atouts là. Je sais pas si on peut. Je pense pas qu'il y ait des glitches dans cette map parce que bon. Maintenant, il y a pas mal d'atouts hein, quand même, hein, quand on regarde bien. Hop. Une autre troisième arme. Ah, c'est pas assez. C'est quoi ça? Attendez, il y avait un... What? C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ce kinch là? C'est quoi où je suis là? Ok, j'ai l'impression que c'est une zone même. Survivre 2 minutes 19. Et j'ai qu'une arme? Une blague? J'ai pas qu'une arme quand même. Ok, c'est quoi ça? Ouais. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. Ah d'accord, si on se fait toucher, le temps... Ok, d'accord.
contre, ça m'a pas redonné de balles. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi ça? Attendez. C'est quoi ça? Quoi tous ces points là? Un peu nerveux là, j'ai l'impression. Alors par contre, je sais pas du tout, je suis tombé sur un truc. Alors là, c'est l'arme. Mais qu'est-ce qui valait autant là? Un peu plus de 10 000 là. C'était pas énorme quand même. Quoi ça? Hop. Ok, je sais pas du tout ce que je récupère, mais je récupère. Oh. Wow. Ça, c'est sympa, ça. Ok, la coupe ne fait pas partie des trucs. J'ai l'impression que c'est pour avoir plus de munitions. Bon, je préfère l'arc parce que le. J'ai combien de. Ah ouais, d'accord, c'est juste pour cette arme là. Ok. Je pense que la coupe m'a filé un peu plus de balles. Par contre. Coucher. Ouais, on est d'accord. Oh, les chiens! Allez. Nettoyage de printemps. Par contre, je voudrais bien retrouver la salle. En fait, la salle de jeu, elle est où? Parce que... Alors, attendez. Parce que alors là, autant de points... je suis paumé, ça y est. Ah, c'est là-bas, je crois. C'était là. Man quoi? Machine de change? Et chic chaud. Hop là. Ok. D'accord, on a trouvé 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Collecte le renseignement. D'accord. Moi je dis pas non pour un. Ah mince, c'est pour se sauver, non merci. Ou que quoi, je pourrais. Hein. Je pourrais, je vais pas vous faire non plus une vidéo de 2 heures. Ah genre le truc il a spawn devant moi, au moment que je dis bon bah je vais faire l'extraction, je meurs. Super. Bon, élimination 372, élimination critique 203, réanimation 0, blessé 2 fois. Ouais, bah ça, de toute façon... Donc, ouais, bah, bonne game. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne petite game. Donc, ouais, par contre, le mannequin... Le mannequin, c'est un truc que je voudrais bien voir, parce que c'est vrai que ça a intérêt de valoir le coup, parce que quand même, 10 000 points. 10 000 points, c'est quand même pas mal, je trouve. Ça fait quand même pas mal de points. Ouais, bon, c'est toujours autant buggé, moi. Je comprends pas. C'est pas vous, hein. Il n'y a pas de freeze ou quoi que ce soit. C'est moi le jeu qui fait que ça bug au niveau de ça.
Donc, bon, bah, niveau 2. Niveau 2, mais bon. Vu que j'ai pas le pass de combat, ça sert à rien. Je suis plutôt pour mes armes, moi. Ouais, ben, plutôt pas mal la manche. Plutôt pas mal. Attendez, j'ai gagné quoi? Voilà, renseignements. Bon, ça c'est les renseignements. Ça c'est les trucs. Carte de visite. Zombie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné là en zombie? Nouveau. Déployer le sacré punch. Ok. Apparemment, j'en ai d'autres. Apparemment, j'en ai d'autres. Où sommet? Ok. C'était la même chose. C'est juste qu'il voulait pas se débloquer, ce chien-là. Et comme vous le voyez, ça bug. Pourquoi? Je sais pas, mais ça bug. Et ok, hypno mort. Ok, ouais, je suis mort électrifié. C'est clairement, clairement ça. Arcade, c'est quoi ça? Ok. Bon bah les gens, c'est sur ceci qu'on va se laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette petite vidéo bah, en solo VS oublié. Clairement la map plutôt sympa. C'est un peu dommage quoi qu'ils reprennent. Il y a beaucoup de maps qui reprennent de l'histoire. C'est un peu dommage. Ils devraient un peu bon. Peut-être que c'est vrai que bon pour Halloween déjà il y a les têtes de citrouille donc est-ce qu'ils vont les laisser plus tard? On verra. Mais comme vous le voyez il y a Contagion Halloween mais le truc c'est que j'imagine que bon pour Halloween c'est bien sympa mais faut pas non plus exagérer, faut pas pousser mémé dans les orties. Donc voilà. Merci encore et puis à la prochaine les gens, c'était Dark Survie. Peace.